Le quotidien de Gabriel est composé de rituels incontournables. Pour se rassurer, tous les matins, il a besoin de visualiser l'emploi du temps de sa journée avec l'aide de Caroline, sa maman. Est-ce que tu veux bien mettre ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, tu vas regarder la télévision, on va déjeuner. Tout doucement, avec l'aide de petits carrés magnétiques, il va organiser sa journée. Gabriel, ce matin, tu as fait regarder un dessin animé. Après ça, on a fait le programme de la journée. On ira déjeuner avec ta sœur. Ensuite, tu vas aller faire des courses avec maman. En rentrant, on fera un jeu et on fera un petit yoga et un petit bain, d'accord ? Un bain et un yoga. En même temps, d'accord, bah pourquoi pas, hein. Moi, si je veux que la journée se passe bien et qu'on n'ait pas de heurts, il faut que je lui dise on va faire ci, on va faire ça, et je le préviens toujours avant de ce qu'on va faire. Si je dis que je fais quelque chose avec lui et que je ne le fais pas, on le met dans une situation de crise. Il est bien dans une routine. Quand on sort de la routine, c'est compliqué à gérer. Gabriel déteste l'imprévu sous toutes ses formes. Le moindre grain de sable dans le déroulement de la journée peut provoquer chez lui une crise d'angoisse. Pour sortir de chez eux, tous les jours, ils prennent l'ascenseur et ne prennent jamais l'escalier. Allez, mais je veux pas qu'il disparaisse. Sauf que ce matin-là, l'ascenseur est occupé et semble refuser de s'arrêter à leur étage. Non, Gabriel, c'est pas grave. Non, Gabriel, il faut pas qu'on aille appeler. Tu me donnes les mains ? On fait comme ça. Oui, respire, fais comme ça. Quand il y a une crise d'angoisse, ma réponse, c'est d'être le plus calme possible, la plus patiente possible et d'être la plus douce possible par rapport à cette angoisse qui monte. Gabriel, je voudrais que ça revienne tout de suite. Il peut revenir, il va revenir. Sinon, on rentre à la maison. Et on a dit qu'on sortait. Tu veux pas sortir ? Mais si. Bon, bah alors, il va falloir patienter. Alors, plus vite à son frère. Il y a un problème, donc on a quelque chose de qu'il ne contrôle pas. On n'est pas dans une... dans sa routine de l'ascenseur qui arrive quand il est là. C'est comme quand on ne trouve pas la place pour la voiture. Enfin, ça, c'est des choses difficiles. Ça peut être... et on peut en avoir 20 dans la journée. Ça dépend des moments. Gabriel, ça suffit. Il a appelé. Oui, ça suffit. Il va venir. Tu as appelé, il va venir. Tu me regardes ? Respire, respire. Heureusement, l'ascenseur finit par arriver quelques minutes plus tard. Vas-y. Ah. Depuis le début, on l'avait appelé. Il ne voulait toujours pas. Bah oui, mais c'est comme ça. Gabriel a 7 ans. Il vit à Paris avec ses parents, Caroline et Geoffroy, avocat d'affaires dans la vie. Et avec ses frères et sœurs, Arthur, 20 ans, et Raphaël, 17 ans. Depuis la naissance de Gabriel, la vie familiale a beaucoup changé. À partir du jour où il est né, ça a été comme un changement, mais brutal, mais vraiment. Sachant qu'il avait besoin de 24 heures sur 24 d'aide. D'autant que la famille n'a plus trop l'occasion de se retrouver tous ensemble. Gabriel est un petit garçon envahissant qui a pris l'habitude de prendre ses repas tout seul. Gabriel, c'est l'enfant qui vraiment prend trop de place et qui fait trop de bruit. Et c'est pas reposant, les repas sont pas reposants. Parce que quand il est en pleine forme, il parle vraiment fort. D'autant qu'il n'entend pas bien, alors il parle vraiment fort. Et dis-moi un peu ce que tu fais. C'est quoi, une ville ? Tu vas voir. Gabriel n'entend pas très bien. Il a une vue défaillante qui l'empêche de voir à plus d'un mètre. Mais surtout, il manifeste depuis toujours des troubles du comportement proches des autistes Asperger, même s'il n'a pas encore été officiellement diagnostiqué. Des enfants ne parvenant pas à communiquer avec l'extérieur et en proie à des obsessions récurrentes. Caroline et Geoffroy, son papa, se sont rendus compte très tôt que quelque chose n'allait pas chez leur fils. J'étais là le jour où il a ouvert les yeux. Je regardais. Il a ouvert les yeux comme ça, il m'a vu et il a fait ça. Je suis allé là, il a fait ça. Je suis allé là, il a refait ça. Et là, ça m'a... La première chose qu'il a faite dans la vie, c'est fuir le regard. Et plus Gabriel grandissait, plus son éveil et ses problèmes moteurs empiraient. À un an, Gabriel était dans un corset, sur un fauteuil, qui lui maintenait la colonne vertébrale droite, avec des scratchs et des vis. Et avec une tétière pour lui tenir la tête. Il avait la colonne vertébrale qui ne se tenait pas droite, donc il ne mangeait pas autre chose que du mou, il ne parlait pas un mot, il a parlé, il avait 4 ans passés, il ne marchait pas, il n'a pas marché, et avant, il avait presque 3 ans quand il a marché correctement.
pas un mot. Il ne sortait même ni maman ni papa à 4 ans. Pas très loin de Paris, en Seine-et-Marne, une autre maman est confrontée au même problème que les parents de Gabriel. Son fils Alexis, 7 ans, est également autiste Asperger. Ce matin, il s'est réveillé très préoccupé. Aujourd'hui, il n'a qu'une obsession, construire une machine à voyager dans le temps. Le convecteur temporel. C'est ce qui sert à rendre les voyages dans le temps possibles. Depuis des mois, il regarde le film Retour vers le futur en boucle. Ça y est, elle va partir vers le futur. Moi, tu sais qui je voudrais être si j'étais une personne de ces deux-là ? Doc. Parce que je voudrais être inventeur. Et bah lui, il est inventeur. C'est après avoir décortiqué la moindre image du film qu'il a conçu sa future machine sur le papier. Je vais avouer qu'il y a un plan de ma machine de voyage dans le temps. Oh, je vais dessiner le convecteur temporel. Ça y est. T'écris dans quelle époque tu veux aller, t'allumes le convecteur temporel et tu pars. Alors, j'ai fini le convecteur temporel, j'ai fini les roues, j'ai fini le gouvernail, j'ai fini le coffre. En apparence, Alexis joue comme n'importe quel petit garçon de son âge, sauf que pour lui, les choses sont un peu différentes. En fait, il ne fait pas de différence entre la vie du film et la vie de tous les jours. Pour lui, ce sont deux choses qui sont très semblables. Et il a beaucoup de mal à dissocier l'un de l'autre. Mais comme il a beaucoup de mal à différencier la vie du rêve. Allez, je mets la machine de voyage dans le temps en place. Autrement dit, Alexis est absolument convaincu qu'une fois sa machine terminée, cet étrange chariot bricolé, il va voyager dans le futur. Est-ce que je pourrais bien l'emmener ? C'est donc très sérieusement qu'il va préparer son voyage. Je vais mettre un petit truc pour l'attacher, pour empêcher que ça tombe. Parce qu'il paraît que dès que tu pars dans le futur, ça se coule un peu. Qu'est-ce que je pourrais amener d'autre ? Ouais, en plus, il faudrait que j'emmène un peu à manger. Et moi, je sais pas si je vais tenir sans manger. Maman, est-ce que tu peux me donner un petit sandwich à Nutella avec un petit truc dans un petit sac à dos ? Pourquoi faire ? Passer dans le futur. Non, tu vas pas dans le futur. Si elle ne marche pas... Le futur, c'est pour de faux. C'est dans la télé. Si toi, après, tu peux pas partir dans le futur. Si après elle ne marche pas, je vais fabriquer un moteur et ensuite elle marchera. Hey, Alexis, c'est pour de faux. C'est dans la télé, le futur. J'ai un petit truc à te dire. Surveille bien ma chambre pendant que je ne serai pas là. Parce que pour Alexis, sa chambre est un véritable sanctuaire. C'est son refuge et il n'apprécie que très difficilement la présence d'une autre personne. Katia, sa maman, y pénètre toujours avec précaution. Tu vas te laver, c'est l'heure du bain. Par contre, pas question pour son petit frère Melvin, âgé de 3 ans et demi, de franchir la porte. J'ai pas envie de rentrer. Ennemi à l'attaque ! Pour rassurer Alexis, ses parents lui ont donc installé un verrou. Mais ça n'était pas suffisant pour lui. Il l'a donc complété par une invention de son cru. Il y appuyer et ça fait un bip. Et la porte s'ouvre. Comme ça, Melvin ne peut pas entrer. Quand il est dans sa chambre, Alexis est en dehors du monde. Pour le faire sortir de sa bulle, sa maman procède toujours de la même manière. Là, on va sonner la cloche pour Alexis parce qu'il est toujours un peu ailleurs. Quand je monte, enfin, sinon, il faut que je crie, il ne m'entend pas forcément parce qu'il est dans ses jeux et il est sur sa planète, quoi. Et alors, je sonne la cloche, comme ça, il entend et il descend. Sinon, en fait, je montais et souvent, je le touchais et il sursautait. Du coup, en fait, maintenant, notre signe d'alerte, quand on part à l'école, quand on part quelque part, on sonne la cloche, attention les oreilles. Alexis, on mange. Alexis est un autiste Asperger, un enfant qui a des troubles du développement. Il a énormément de mal à communiquer avec l'extérieur et a pris l'habitude de s'enfermer dans des passions devenues obsessionnelles. Cela fait à peine 6 mois qu'il a été officiellement diagnostiqué. Il vit en Seine-et-Marne avec sa famille, son papa Gilles, sa maman Katia, son frère Melvin et le petit dernier Milan, âgé de 6 mois. Au début, ses parents n'ont pas immédiatement compris le caractère un peu particulier de leur fils aîné. Moi, Alexis, je m'en suis pas aperçu, moi, parce que je m'avais mis un voile. C'est quoi que t'en as retenu d'être Asperger ? Que t'as une bonne mémoire, tu me dis tout le temps. Et c'est quoi pour toi ?
un don. C'est un don de quoi? Pour moi, t'as expliqué un peu. Un don de logiciel. Et super cool en plus. En fait, il a su calculer avant de savoir compter. En fait, il a su. Enfin, il m'a donné un exemple de. Par rapport au dénombrement. Il y avait 4 plus 3 crayons. Il savait que ça faisait 7, mais par contre, il savait pas compter juste. Il savait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il était toujours. Il avait beaucoup de rituels. Tout devait être très cadré. Dès que ça se modifiait, il était un peu perturbé. Très envahi par les dessins animés. Quand on l'appelait Alexis, il se mettait à pleurer. Non, je m'appelle pas Alexis. C'était quoi? À l'époque, c'était Woody et Buzz l'éclair. Je suis Buzz l'éclair. Je suis pas Alexis. Je m'appelle Buzz l'éclair. À s'en mettre à pleurer. Les expressions du visage qui étaient pas forcément. Il est toujours le même. Je veux dire, entre guillemets, entre le bonheur et le malheur. Non, s'il montre, mais pas aussi intensément que les autres enfants. C'est vrai que depuis qu'il a eu le diagnostic, ça a été, pour nous, ça a été quelque chose de très bénéfique, quoi. On s'est senti énormément soulagé. Et puis en même temps, enfin, on prend ça très bien. C'est un trait de caractère. Enfin, pour moi, c'est un trait de caractère. Il y a des bruns, il y a des blonds, il y a des jaloux, des possessifs ou des Asperger, quoi. À Paris, Caroline a également un fils du même âge qu'Alexis, manifestant des troubles proches des autistes Asperger. Là devant, souffle, on se détend. Elle est artiste sculpteur dans la vie et a totalement abandonné cette activité pour consacrer l'essentiel de son temps à son fils. Au quotidien, tout est fait pour le sortir de son handicap. Depuis tout petit, elle a pris l'habitude de démarrer les journées de Gabriel en le massant. Les muscles, les enfants qui sont comme Gabriel sont souvent en tension, mais tendus, comme rétrécis si on ne les masse pas. Et donc, il faut lui masser le cou. Il faut lui masser le visage, il faut lui masser le dos. Dans le calendrier de l'Avent, il y a 24 jours avant Noël. Gabriel a aussi tendance, dès le réveil, à être en boucle sur certaines choses. Ce matin, son obsession, c'est le principe du calendrier de l'Avent. Il y a des calendriers de l'Avent où les jours sont tous dans le désordre. Ben oui, parce qu'il faut que tu cherches la date. Et d'autres calendriers de l'Avent où tous les jours sont dans l'ordre. Ordre. Ah ouais. Des calendriers de l'Avent où les jours sont dans le désordre de 1 à 24. Parce qu'il y a plein de calendriers de l'Avent qui sont de 1 à 24 dans l'ordre. Et d'autres calendriers de l'Avent qui sont de 1 à 24 dans le désordre. Gabriel est dans un mode où on tourne un peu en rond. Ça arrive souvent. Et alors, il faut tourner en rond pour que ça soit dans l'ordre. Et si Caroline ne l'interrompt pas, cela peut durer des heures. Remplaçable. Et une idée, quand elle est là, elle reste. Alors ça va quand c'est un peu joyeux, mais dans des moments compliqués, c'est beaucoup moins simple. Si on est dans une gare, ça devient vraiment très compliqué. J'ai eu plus d'une fois toute une foule qui se retourne en disant « mais... » Voilà. Gabriel a également des rituels dont il n'arrive pas à se débarrasser. Quand il rentre dans le bain, pour une raison inexplicable, il ne peut s'empêcher de compter. Va dans le bain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. En 13 coups, tu es allé dans le bain. Pourquoi tu comptes, Gabriel? Bah toujours tu comptes, mais tu crois que nous on compte? Oui. Est-ce que maman et papa ils comptent à ton avis? Oui? Non. Oui. On compte pas quand on va dans le bain. Hein, Gabriel? Oui. Non, on compte pas tout, mon amour. Si. Non, regarde-moi dans les yeux. Si. Ils sont où tes si. Yeux? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Si. Ils nous regardent rarement dans les yeux. C'est de tout petit, ils nous regardent jamais dans les yeux. Et maintenant, ils nous regardent assez peu. Il faut toujours lui réclamer, mais un nombre de fois terrible dans la journée. Quand il parle, il a le regard
complètement ailleurs, comme ça. Ouais. En permanence, Caroline a donc pris l'habitude de solliciter son regard. Il y a même un... et il y a même encore un nouveau jeu qu'on a fait. L'autre manie de Gabriel, c'est qu'il ne peut s'empêcher de lire à voix haute tout ce qu'il voit. Et quand il commence à lire, il est incapable de s'arrêter, il doit tout lire. Après le lavage, il y aura le séchage. Après, il y aura l'entrée vidange. Après, il y aura le sel PC. Et après, il y aura le produit de rage éco-hoche. Haute 55 normal. Le mec, il Je t'ai dit que c'était pas important tous les petits détails, d'accord? Oui, mais on va faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas important, c'est pas important. C'est si la machine tombe en panne, on va s'en occuper, mais sinon, elle marche, on s'occupe du bouton qui marche, du bouton pour le programme, et c'est tout. Et on s'occupe pas du reste. Le reste, on l'oublie. On fait pfff, on efface dans la tête. En Seine-et-Marne, Katia, une autre maman, a dû apprendre elle aussi à vivre avec le handicap de son fils, lui aussi Asperger. Vivre avec Alexis n'est pas toujours simple au quotidien. C'est un petit garçon très têtu qui ne supporte pas l'autorité. Alexis, on va s'habiller ? Non. Hein ? Tu viens, on va s'habiller ? Non. Pourquoi non ? J'ai pas envie. S'il te plaît. Et après, faut faire les devoirs. Eh, s'il te plaît. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Le réflexe immédiat d'Alexis est toujours d'aller se réfugier dans sa chambre. Katia est obligée à chaque fois de le suivre pour négocier. Mais dès que la porte s'ouvre, un autre problème survient systématiquement. Le petit frère Melvin ne peut s'empêcher de rentrer à l'intérieur. Pour lui, la chambre d'Alexis, c'est la caverne d'Ali Baba. Sauf qu'à chaque fois, la réaction d'Alexis est très violente. Allez. Melvin, c'est mon téléphone. Tu sors. Allez, c'est tout, Melvin. Son petit frère est très demandeur, donc Alexis ne supporte pas le fait que son frère essaye de l'envahir. Pour lui, c'est très difficile d'être envahi parce que le lien, c'est pas inné chez lui. C'est quelque chose qu'on construit chaque jour, mais c'est pas quelque chose de naturel, contrairement à ce qu'on vit, nous. Arrête. Pour éviter de le voir rentrer dans une crise incontrôlable, Katia préfère disputer le petit Melvin. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la chambre d'Alexis. Tu vas jouer dans ta chambre. Melvin, une fois... Elle sait qu'il ne sert à rien d'essayer de raisonner Alexis. Dans ta chambre. Ta chambre, ma femme. Tu sors. Hey. Dans ces moments-là, par prudence, Katia préfère que les deux frères soient séparés. Mais très vite, elle va rejoindre le petit Melvin. Régulièrement, elle tente de lui expliquer que son grand frère est un peu différent. Tu veux que maman t'explique quelque chose? Oui. Viens avec maman, là. Viens. Ça, c'est qui? Ça, c'est Alexis. Ça, c'est Melvin. Oui. Alexis, il est pareil que Melvin ou pas? Oui. Mais Alexis, il n'aime pas quand Melvin il rentre dans sa chambre. Oui. Et toi, ça te fait quoi? Ça te rend triste? Oui. Un petit peu? Oui. Tu aimerais bien rentrer dans la chambre, Alexis? Oui. Mais tu sais, c'est difficile pour Alexis de te faire rentrer dans sa chambre. Pourquoi? Parce que, comme tu te rappelles, il est Asperger, comme Mozart, tu sais? Comme on dit, Asperger. Pourquoi? Et Alexis, il a du mal à faire rentrer Melvin dans sa chambre. Hein? Mais lui, il n'existe pas, Alexis. Pourquoi il n'existe pas, Alexis? Parce que il ne sait pas rentrer. Il me prête pas ses joujoux. Et oui. Toi, tu aimerais qu'il te prête ses joujoux? Oui. Mais c'est difficile pour lui, chérie, tu sais. Le fait qu'il dise qu'il n'existe pas, c'est... Enfin, je pense qu'il exprime un peu que... C'est pas facile pour lui, quoi. C'est pour ça qu'il est un peu... Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il est un peu speed, dans le sens où... il montre aussi qu'il existe. Hein. Melvin, il admire son frère. Enfin, pour lui, c'est Alexis, c'est Dieu, quoi. Tout ce que dit Alexis, c'est bien. Tout ce que fait Alexis, c'est bien. Il essaie de l'imiter constamment, quoi. Mais oui, en fait, je pense que plus il est rejeté, plus lui, il recherche le lien avec son frère, quoi. Melvin, tu viens faire un câlin? Pour Caroline à Paris, apprendre à vivre avec son fils n'est pas simple non plus. La journée de Gabriel est organisée de manière très précise, les habitudes le rassurent, tout comme de savoir à l'avance ce qu'il va faire. Pourtant, Caroline tente tous les jours de lui apprendre l'imprévu. Régulièrement, sans le prévenir, elle change le programme établi le matin même. Aujourd'hui, elle devait l'emmener se promener au Champ de Mars, elle va volontairement changer d'avis au dernier moment.
À chaque fois, le risque est de provoquer chez Gabriel une crise d'angoisse incontrôlable. À droite. Ah, Gabriel ! On va pas aller au champ de marche, je vais aller au pressing, j'ai oublié. Tu viens avec moi ? Oui, après le pressing. Tu veux aller au pressing ? Alors après, au pressing. Non, on n'y va pas. Oh. On va pas, on va au pressing, on va pas avoir le temps. Après ? Non. Si, on va pas avoir le temps. J'ai oublié. Gabriel, c'est pas grave. Gabriel, c'est pas grave. Bon, tout bonhomme, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera ça une autre fois. Non. C'est pas grave. Après le pressing. Complication, on n'a pas fait ce qu'on avait fait dans qu'on avait dit dans le mode d'emploi. J'intervertis systématiquement au moins une fois par jour parce qu'il faut qu'il passe par-dessus. Parce que quand il sera plus grand, il faut qu'il sache prendre un autobus qui a changé d'itinéraire. C'est la vie, les choses changent tout le temps et l'harmonie, c'est de comprendre que les choses, c'est pas selon les. C'est selon un mode préétabli. Caroline a pris l'habitude de ne pas se laisser impressionner par les crises d'angoisse de Gabriel. Elle va donc insister pour que son fils accepte de changer d'avis. On va peut-être aller au pressing quand même. J'ai besoin des costumes pour papa. Hein? Oui, mais il fallait le faire hier en fait. Il fallait le faire hier? Et si on pouvait pas? Ah, il fallait le faire hier et on... Ça va aller, Gabriel. Ouais, après, ça devait être fermé. Allez, on va essayer d'aller vite. D'accord? Tu veux bien? Oui. Hein? Allez, on a fait des gros progrès, Gabriel. Oui. Des gros progrès là-dessus. Des énormes progrès. Ouais. Je suis fière de toi. Ok? T'es un super garçon. Top là. Oui, top. C'est génial. Allez, on y va. Fais attention aux voitures quand même, hein. On passera écrasé pour s'y faire. Finalement, Gabriel finira par aller chercher avec Caroline les costumes de son papa. Et il aura même droit au passage à une récompense. C'est trop bon. On est constamment dans l'encouragement. C'est un enfant qui est encouragé depuis qu'il est né. Il est félicité, encouragé, c'est le champion. Et ça marche. Et effectivement, les parents de Gabriel font tout pour éveiller leur petit garçon. Une aide de vie l'accompagne régulièrement, que ce soit pour faire ses devoirs ou pour aller à l'école, où il est soit dit en passant premier de sa classe. Il est également encouragé à faire du sport pour développer sa motricité. Du golf en l'occurrence, à condition de le tenir éloigné des pancartes. Comme il a l'obsession de tout lire, pas facile de le garder concentré sur son swing. Danger, ne pas ramasser les balles sur le practice, merci. L'une des obsessions d'Alexis, c'est d'empêcher son petit frère de rentrer dans sa chambre. L'une des rares à être acceptée dans son sanctuaire, c'est Élise, sa meilleure amie. Sauf que dans quelques instants, elle va commettre une grave erreur qui va lui valoir d'être exclue à son tour. Alexis, pardon ! Te prends là, tu joueras avec n'importe... avec le jouet que tu veux. À 7 ans, Alexis est un petit garçon autiste Asperger vivant en Seine-et-Marne. En plus d'avoir des problèmes de communication avec son entourage, il est envahi par des obsessions récurrentes. Tous les matins, quand il part à l'école, il éprouve toujours le besoin d'emmener une foule de choses dans son cartable. Alors j'emmène des gadgets, mon déguise, mon Superman, ma cape et mes deux gants. Pour des missions. Ah, si tu veux te fermer, toi. Il a besoin de prendre des objets de la maison pour emmener là-bas. Je pense que c'est pour se rassurer... pas quitter totalement la maison, quoi. Alexis est en CE1. En dehors de chez lui, à l'école, c'est un petit garçon sage et solitaire se tenant à l'écart des autres. Rien dans son comportement n'attire l'attention. C'est un syndrome très vicieux. Il a l'air tellement... j'aime pas ce mot normal. Il a l'air tellement semblable à l'extérieur... que souvent, enfin, beaucoup de gens ont du mal à me croire ou enfin, à comprendre ce qu'on vit, même dans notre famille, c'est assez difficile. 34 et 4. 38. Ça fait 38.
Il est tout de même régulièrement accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire qui l'aide à se concentrer en classe. Ça va bien. 263. 200. Regarde ton 3 comme il est. Ah. Alexis a également des problèmes de motricité fine, comme tenir son stylo et écrire correctement. Si aujourd'hui Alexis est un élève sage, ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Il a été repéré tout de suite parce qu'il avait déjà eu une petite section un peu mouvementée. Et lorsqu'il est arrivé, on pensait que c'était un problème de caractère. On n'avait pas vu que c'était une forme d'autisme au départ. Il a effectivement des difficultés au niveau du relationnel avec les autres. Et parfois, il y a des petites choses dont nous, on ne se rend pas compte. Hein, c'est-à-dire un petit conflit avec un camarade, une petite chose qui le dérange. Pour nous, ça semble anodin, mais lui, ça prend des proportions très importantes. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on gère. Et là, l'AVS a un rôle très important au niveau du relationnel. Comme Alexis est dans sa bulle, il n'a noué aucun contact avec les autres enfants, sauf Élise. Elle a 7 ans comme lui et vient régulièrement jouer chez lui. En dehors de la maman d'Alexis, c'est la seule qui a le droit de rentrer dans sa chambre. Du coup, quand elle arrive, Melvin ne les lâche plus d'une semelle, espérant, en suivant le mouvement, rentrer enfin dans la chambre de son grand frère. Pour le petit Melvin, c'est encore une déception. Je crois qu'il est occupé pour l'instant à s'entraîner à faire ses cascades. Dans la chambre, c'est Alexis qui mène la danse. Pas question de laisser quelqu'un d'autre décider pour lui. C'est pas que je m'ennuie, mais j'aimerais faire une partie de Trio Mino de luxe. Moi aussi. Élise va avoir le malheur d'essayer de jouer au jeu de la pyramide. Sauf qu'Alexis n'en a pas du tout envie. Du coup, la réaction est immédiate. Il la met dehors sans aucune forme de remords. J'ai pas envie que tu rentres. Oh là là, c'est marre. Ça me chauffe la tête là. Alexis, pourquoi tu veux pas jouer avec moi? Parce que tu veux jouer avec un jouet que moi je veux pas. Bah, je jouerai pas avec. Oui, bah maintenant c'est trop tard. C'est toujours trop tard. Tu n'as jamais de deuxième chance. Hop, 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 hop. Non, c'est non. Alors tu sors. Tu sors. Je t'inviterai pas à mon anniversaire et t'es viré. Bah maintenant, en plus, c'est trop tard. Alex, Alexis, pardon. Je te promets que je jouerai avec n'importe... avec le jouet que tu veux. Même avec les jouets les plus débiles que qui peut exister. Oh, mais écoute, même plus. Tu joues pas avec Alexis? Non, Alexis m'a mis à la porte. Pourquoi il t'a mis à la porte? Je sais pas. Ça n'est pas la première fois que cela arrive. La maman d'Élise en a pris l'habitude maintenant. En fait, je sais bien que tout ce que fait Alexis, c'est parce que Alexis est comme il est, il a ce syndrome, et que c'est pas de la méchanceté, c'est pas le sale gosse mal élevé, il sait pas se contrôler quoi. Et donc. Alors souvent on attend, si Élise elle arrive pas à rentrer dans la chambre ou s'il la renvoie balader, ben elle va jouer avec d'autres jeux en attendant qu'il revienne. Et quand il revient, en général, ça repart de zéro. Donc c'est, il a fait table rase, il est calmé et il est apte à engager quelque chose de nouveau, une nouvelle page, je dirais. Une heure après, comme si rien ne s'était passé, Alexis vient rejoindre Élise dans la salle à manger. C'est l'heure du goûter ou est-ce que lui a réfléchi, je sais pas. Enfin, il passe d'une émotion extrême mal à une émotion extrêmement bien. Là, enfin, c'est... au contraire, il va être euphorique quoi. Demain. Passe une bonne soirée. À demain à l'école. Geoffroy, Gabriel voudrait faire du yoga. À Paris, Gabriel est également un petit garçon manifestant des troubles proches des autistes Asperger, comme Alexis. Il est toutefois plus calme. Lui, ce qui le terrorise, c'est l'imprévu. Voilà.
Bon, allons-y. Comme Gabriel est un petit garçon très angoissé, pour le détendre avant l'heure du coucher, tous les soirs, il a droit à sa séance de yoga pour enfants avec l'aide d'un petit livre. Avant d'aller au lit. Bon, évidemment, comme Gabriel a un livre dans la main, il ne peut s'empêcher de tout lire. Et après, il va lire le nom de l'éditeur, l'année de l'édition, le numéro ISBN, et tout aura la même importance. Des photos et des explications. Et justement, de faire des exercices de yoga, c'est l'antidote. Ce moment privilégié. Tu me fais petit yogi, fais la chauve-souris. Chauve-souris, allez, fais-le moi bien. Ah, très bien, petit yogi, fais la chauve-souris, mets la tête à l'envers comme une chauve-souris. Pour Gabriel, l'impression que ça me donne de lui faire faire du yoga, comme il avait une difficulté de captation sensorielle, il a les sens pas développés comme les autres, ce qui a paralysé un peu son développement au départ. Alors le yoga, ça le met dans son corps, ça l'aide à descendre. Petit yogi, cligne des yeux, alors tu ouvres les yeux grand. Ouvre les yeux grand. Grand. Voilà, c'est la détente totale, quoi. C'est comme après le bain, le massage, il est... Quelles que soient les tensions dans la journée, ça permet de repositionner un moment de détente et de bonheur personnel qu'il ne peut pas se trouver tout seul. Maman, il est naze. Gabriel ? Mais il n'a pas l'air opérationnel, hein. Ses frères et sœurs ne sont pas souvent là, et quand ils décident de jouer avec lui, ils ont intérêt à choisir le bon moment. Bon, Gabou, tu te mets à ta place ou pas ? Tu veux jouer ou pas ? Pas facile pour Arthur, le fils aîné, de jouer au foot avec lui, surtout après une séance de yoga. Allez. Voilà. C'est pas vraiment un échange. Là, l'échange dure quoi, 5 minutes, et puis après, c'est plus pour lui. Enfin, il n'a pas vraiment conscience qu'il faut partager des choses. Si on le met dans une partie de foot, je pense pas qu'il trouvera sa place. Il va suivre la balle un peu partout et on va dire citoyen, restez là, il va pas comprendre le jeu collectif. Et là, il joue plus. Veuillez aller à l'endroit où il y a le petit point. Petit point, c'est pour gonfler le ballon. C'est pas là où il faut aller sur la carte. Moi, j'aime bien aller à cette partie de la terre. Le soir, avant d'aller se coucher, ses petits bisous à sa grande sœur et ensuite au lit. Il est où ce regard ? Perdu, tu me vois là ? Tu me regardes ou tu regardes ailleurs ? Non, ça va se terminer en farce encore une fois, ou en jeu, je sens. Mais ça, c'est pas... T'es un coquin. Bonhomme. Dors bien, mon ange. Hein, j'éteins ? Allez, à demain. Je sens que je m'entends de bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit, maman. À demain. À demain, mon cœur. Alors, je viens de coucher Gabriel parce que, assez rapidement, je ne lui lis pas d'histoire le soir parce que sinon, il ne sait pas s'arrêter. Donc, ça peut durer 2 heures. J'ai essayé et ça, c'est pas possible. Donc, on a pris un rythme. Il fait un peu de yoga, je lui dis bonsoir et c'est bonne nuit, maman. En Seine-et-Marne, les parents d'Alexis, de leur côté, ont récemment pris les choses en main pour aider leur fils, lui aussi Asperger. Celui-ci ne parvient pas pour le moment à avoir une vie sociale. Pour tenter de remédier à ça, il a rendez-vous tous les samedis avec 2 psychologues pour une séance de socialisation en compagnie d'autres autistes Asperger, comme Tanguy ce jour-là. Donc, on va commencer par un thermomètre. Et moi, le micro. Alexis, à quoi ça te sert le thermomètre de l'humeur ? Bah, à savoir comment on est. Donne-nous les petits, les petites annotations. Alors, plus 30, c'est méga heureux et super pêche. Plus 20, c'est j'ai la cool attitude, je suis relax. Plus 10, je suis heureux. 0, ça va ni bien ni mal. Moins 10, c'est je suis triste. Moins 20, c'est je suis malheureux, j'ai la mort dans l'âme. Et moins 30, c'est je pleure méga fort. Le thermomètre de l'humeur, c'est quelque chose avec des chiffres. On note son humeur de façon tout à fait concrète. Et eux, ça les aide parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments.
Qui commence? Méga heureux, c'est la super pêche. Ok. Car ce soir, je mange du confit d'oie avec des pommes de terre sautées. Alors dis-nous, Alexis, à toi. Plus 30 et plus 20. D'accord. Et parce que, comme d'habitude, on mange chinois. Eh oui, ça c'est tous les samedis, hein. Tu vas comprendre, je vais... Le but de ces séances, c'est aussi d'apprendre à des enfants comme Alexis à avoir un comportement social. Ils doivent parvenir à comprendre que l'autre existe. Je vais vous demander de faire comme on fait en théâtre. Alexis. Être ou ne pas être. Non. La question. Je vais vous demander donc de jouer une scène. Ah. Vous êtes deux amis qui ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Et vous vous retrouvez. Vous essayez? Je frappe mes trois boules comme au théâtre. Comment ça va, mon petit pote? Hey, si on allait se balader? Ouais, ok, mon petit pote. Yep. Allez, viens. La 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 la. Alors, on revient par là. La 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 la. Dites-moi. Ok. Alors, vous, vous vous êtes pas vus depuis longtemps. Ouais. Je suis contente de te revoir, mon petit pote. Vous vous demandez pas comment vous allez? Vous vous demandez pas de vos nouvelles? Vous vous contentez d'aller vous promener dans le parc en chantant? Ouais. Je suis pas sûre. Je pense que quand deux... Si on va dans un autre endroit pour aller discuter. Les codes sociaux, je dirais qu'il les connaît. Et enfin, il arrive à les verbaliser, à dire oui, il faut dire bonjour à quelqu'un quand on le voit. Par contre, il arrive pas encore à les mettre en application. C'est à la fin de la séance que les parents d'Alexis vont demander conseil à l'une des psychologues. Comment faire pour qu'Alexis accepte enfin son petit frère? Il ne le supporte pas dès qu'il essaie de rentrer. Il ne peut pas rentrer dans sa chambre parce qu'on a instauré un système de clés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour qu'il essaie de se mettre en relation avec lui, quoi? Alexis est vraiment quelqu'un de doux. Oui, oui. Il est quelqu'un... C'est donc... Oui, mais il peut être très violent aussi. Bien entendu. Il peut être très doux comme il peut être très... Voilà, ouais. Donc là, ce qu'il va surtout falloir... Surtout avec son petit frère. Ce qu'il va falloir faire, effectivement, pour créer un lien, c'est peut-être... De les, pas de les forcer, mais je dirais de les mettre en lien tous les deux au travers de choses qu'ils aiment. Mmh. Bon, il a 3 ans et demi, donc forcément, c'est pas du tout le même âge. Mmh. Mais il peut y avoir des choses qu'Alexis appréciera de faire avec lui, voilà. Ouais. D'instaurer des règles peut-être aussi. Ouais. Incluant, bien entendu, je dois être gentil avec mon petit frère. Bah, je pense que comme ça, ça marchera peut-être. Allez. On y va. Mais les choses ne vont pas être simples. À peine rentrés à la maison, Alexis et son petit frère vont se battre pour jouer à la console de jeux vidéo. Et comme d'habitude, pas question pour Alexis de céder quoi que ce soit. Je veux la Wii. Non, tout à l'heure. Ou demain. Lui, il est fatigué. Mais moi, je n'ai pas joué. Oui, je sais, Alexis. Mais lui non plus n'a pas joué, il ne sait pas jouer. Moi aussi, lui, il y a joué. Non, il n'y a pas joué, il a tenu la commande. Regarde, tu veux... Allez, hop, on arrête. Malvin, il est fatigué. Alexis. Pas facile pour les parents de gérer des conflits permanents. Gilles, le papa, vit de plus en plus mal le handicap de son fils. Moi, ce que j'aimerais avoir de la part d'Alexis, c'est un petit peu plus de tendresse. Même si là, à sa façon, c'est avoir un petit peu plus de contact avec mon fils. Qu'il me prenne dans les bras de temps en temps. C'est tout. Une chemise, un t-shirt, et on va s'habiller. Hop. De leur côté, les parents de Gabriel à Paris font également tout pour éveiller leur fils. Ils concentrent leurs efforts sur le fait d'éveiller et de stimuler le plus possible leur petit garçon pour le préparer à sa future vie d'adulte. Tu dois défaire les boutons de ta chemise. Tu vas en faire deux. Et pour Gabriel, les gestes les plus simples s'avèrent souvent insurmontables, comme défaire les boutons de sa chemise avant de s'habiller, ce qu'il n'arrive toujours pas à faire. Alors, tu me montres où est-ce que ça va pas? Pourquoi ça va pas? Alors, je vais te montrer. Il faut beaucoup les aider, beaucoup, 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 constamment les stimuler depuis le jour où on s'en aperçoit, et sans jamais s'arrêter. Oh, il ne veut pas se mettre... Il ne veut pas se mettre dans le petit trou? Ah, vite! Qu'est-ce qu'on fait? Écoute-moi, tout le monde. Il faut dire que c'est agaçant. Alors, voilà. Tu y es? Pousse avec le pouce et moi je tiens le tissu. Allez, voilà.
Bon, je t'ai un peu donné un coup de main, mais on aura avancé. Je suis épuisée. Ce n'est que le début de la journée. Allons-y. C'est pas facile d'avoir un petit garçon différent. C'est de toute façon, c'est à souhaiter à personne parce que c'est vrai que c'est compliqué, il faut l'avouer, et c'est un boulot monstrueux et c'est épuisant, il faut le dire. Je refuse d'être épuisée et je refuse de ressembler à rien sous prétexte qu'il y a Gabriel dans la famille. C'est une décision, il faut prendre la décision. Et quand on a pris cette décision, on ne vient pas en arrière, on avance. Bonjour Marianne. Bonjour Gabriel. Tu vas bien? Oui. Gabriel ne sait peut-être pas encore mettre un bouton, mais par contre, il est le premier de sa classe. Tu vas aller travailler ? Ouais. Pour l'aider à faire ses devoirs et l'accompagner dans son travail, Lauriane de l'association Asperger Aide France lui sert de soutien scolaire. Ouais. Gabriel est en CE1 et va à l'école de son quartier comme n'importe quel petit garçon de son âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Asperger apprennent par imitation. Donc, si on les met dans des classes avec d'autres enfants qui seraient autistes ou d'autres troubles comme ça, ils vont avoir plutôt tendance à reproduire le comportement de ces enfants-là. Donc, eux, ils sont dans l'impossibilité d'évoluer. Si Gabriel a de bonnes notes, c'est parce qu'il a une grande capacité de mémorisation. Il est également très à l'aise avec les calculs. Plus on répète et mieux il va mémoriser, c'est sa meilleure façon d'apprendre, lui c'est sa mémoire. Mais après, moi il faut que je m'assure qu'il a compris le sens de l'opération. Donc que la soustraction c'était retirer. Bah, là c'est avec les doigts, il n'y a rien de plus matériel. Il voit bien que la soustraction c'est retirer des doigts. Alors est-ce que tu te souviens comment on fait? Ici c'est 32 moins 10. 2 moins 0 égale 0. Alors montre-moi sur tes mains. 2. 2 moins... Moins 0. 0 égale 2. Très bien. Pour développer sa coordination et sa motricité, Gabriel fait du sport aussi. Et pas n'importe quel sport, du golf. Il a mis du temps à s'y faire, mais désormais, il maîtrise son swing. À condition, bien sûr, d'éviter les panneaux du parcours qu'il ne peut, comme d'habitude, s'empêcher de lire jusqu'au bout. 9h et 17h. Ah, danger! Ne pas ramasser les balles sur la petite mer qui est là-bas. Je vais le lire, là. Non. Et quand on tente de l'empêcher, Gabriel ne se laisse pas faire. Allez, tiens, ramène-moi ça. Fais un effort. Ramène-moi ça. Ah, il veut dire le numéro. Il veut dire le numéro. Donne-moi le numéro. Gabriel. 92. Allez, on y va. On y va. Maintenant, ça suffit. T'es fripouille. Merci Clément de ta patience. Ça fait plaisir. Vraiment. Oui, t'as tout lu systématiquement. Tu lis tout et comme si tu les connaissais pas par cœur. Hein. Allez, chut, on est au golf, on fait pas de bruit. Oui, tu as tout lu. Gabriel est un petit garçon calme et doux, mais ses parents savent que ses crises d'angoisse peuvent surgir n'importe quand. Dans quelques instants, Caroline, sa maman, va être confrontée à l'une d'entre elles alors qu'elle est au volant de sa voiture. Gabriel, quelle salle te parle, t'as tout jamais. Coucou. Non, on va pas se mettre dans ce truc-là, c'est pas possible. Alors, on met en premier. De son côté, Katia, la maman d'Alexis, sur les conseils de la psychologue, va tenter une nouvelle fois de faire en sorte que son fils accepte enfin son petit frère en lui faisant signer un contrat un peu particulier. Alexis, il n'a pas le droit de taper Melvin. Les choses ne vont hélas pas se passer exactement comme prévu. À 7 ans, Alexis, autiste Asperger, n'accepte pas son petit frère et refuse de partager quoi que ce soit avec lui. Pour tenter d'améliorer les choses, Katia va mettre en application les conseils de la psychologue suivant depuis quelques mois son fils aîné. Elle va donc les réunir en terrain neutre, le salon. C'est bien de jouer tous les deux. Attends, on va jouer à faire les affaires. On va jouer à faire à manger, vous voulez jouer à faire à manger? Alexis y est convié pour jouer avec des jouets appartenant à Melvin, en l'occurrence une dinette. Ils jouent pas très souvent ensemble, mais quand ça arrive, j'essaye de les aider à se comprendre, à faire des choses ensemble. Quoi. Là, je suis contente. C'est pas tous les jours, c'est pas souvent, mais Melvin, dans ce cas-là, il est super content et moi aussi, quoi. Vous êtes au restaurant? Ouais. Et là, on s'attend à un petit déjeuner pour Melvin et moi.
Mais très vite, les choses vont se gâter. Une fois de plus, Alexis veut que l'on joue à sa manière et pas autrement. Oui, pour ça, ça, on est pas des idiots. Et ben voilà, maintenant, c'est parti. Maintenant, faut que je recommence, espèce d'idiot. Hé, hey, tu m'entends? Oui. Je ne veux pas entendre espèce d'idiot. Attends, Melvin. Melvin, écoute maman. Non, je vais être obligée de recommencer. Chut, Alexis. Puisque c'est comme ça, je prends ça. Non. Je ne donnerai pas tant que la cuisine. Vous m'écoutez, vous m'écoutez. Vous jouez. Mais toi, arrête de l'embêter et toi, arrête de crier. Les vieux réflexes d'Alexis remontent à la surface. Il va s'enfermer dans la cuisine avec tous les jouets interdisant à quiconque de rentrer. Alexis. Je ne sortirai pas d'ici et je ne parlerai. Je ne t'écouterai pas tant que je n'aurai pas fini la cuisine. Alexis. Tu m'ouvres, s'il te plaît. Je vais me fâcher. Alexis, une fois. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, en fait, il commence à jouer avec son frère et bah, il n'y arrive pas, en fait, à partir du moment où son frère fait pas ce que lui a envie. C'est toujours le même problème, c'est que moi, je suis tiraillée entre l'un et l'autre et ça finit souvent en queue de boudin. Enfin, c'est pas... Non! Hé! Hey. Alexis, tu vas m'écouter. Alexis, tu vas venir, on va faire des règles. On va s'asseoir, parce que là, ça peut pas continuer comme ça. Je n'irai pas sans que la cuisine sera pas finie. Non, ça va. T'es pas tout seul, t'es chez moi ici. Tu comprends ça? Hé, hey, tu m'écoutes. Écoute-moi. Non, tu ne tapes pas ton frère. Je ne tape pas, mais ça pas. Mais il sort. Katia va finir par appliquer un autre conseil donné par la psychologue, établir un contrat écrit avec Alexis et Melvin. On va faire un petit jeu des règles. Des règles. Ce que Melvin a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ce qu'Alexis il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. D'accord? Alexis, il n'a pas le droit de taper Melvin. Alors on met en premier, ne pas... Taper. Melvin. Melvin aussi doit pas monter aller dans la chambre à Alexis. On est d'accord? Que si Alexis l'autorise. On est d'accord? Il l'autorise. Ah non, des fois il dit non. Des fois il dit non. Alors Melvin ne doit pas rentrer dans la chambre à Alexis. Une règle importante pour toi. Quoi? Melvin ne doit pas toucher aux jouets de la chambre d'Alexis. D'accord? Oui. Alexis. Alexis, j'ai dit quoi? On tape pas son petit frère. C'est lui qui a commencé. Eh ben, tu me dis, maman, il m'embête. On est d'accord? C'est pas toi qui décide. Garde, tu m'écoutes? Alexis n'a pas le droit de taper Melvin. Et Alexis doit partager les jouets de la salle à manger. Est-ce qu'on est d'accord? Melvin, tu es d'accord aussi? Oui. Alors, tu signes là. Oui, on le coupe. Alexis, tu viens? On le met là. Non, comme ça, tout le monde peut le regarder. Loin d'améliorer les choses, ce contrat va au contraire provoquer une crise d'angoisse chez Alexis qui reste hermétique à tout dialogue. Je fais ce que je veux aussi. Tu fais pas ce que tu veux, c'est moi qui commande ou papa. C'est pas Alexis qui commande. Je fais ce que je veux aussi. Non, tu fais pas ce que tu veux. Si. Non, Alexis. Si. Non. Parce que... Explique-moi. Non. Pourquoi? Si tout est nul. Pourquoi tout est nul? Parce que quoi? Légal. Non, je suis chez moi ici. Si, dégage. Je suis chez moi ici. Je suis chez moi ici. Je suis chez moi. Tu me parles autrement. Dégage. Ma mère m'aurait jamais fait ça. C'est qui ta mère? Ça prouve que c'est pas ma mère. Et pourquoi je suis pas ta mère? Parce que ma mère m'aurait jamais fait ça. Mais ta mère, elle te fait... Je m'occupe de toi sans arrêt, Alexis. Ma mère m'aurait jamais fait ça. Elle m'aurait jamais abandonné. Mais je t'abandonne pas, Alexis. Est-ce que je t'abandonne? Parce que je ne fais jamais des trucs cool. Je te fais quoi comme pas truc cool? Dis-moi. Tout. Vas-y, explique-moi. Non. On fait pas des jeux ensemble? Non. T'es un menteur. Il râle. Comme ça.
C'est pas grave, on le refera. Arrête. 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 Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Jamais. Tu te calmes. Bon, c'est bon. Elles sont déchirées. Non, il n'y a plus de règles. J'ai un enfant de 3 ans et demi et un enfant de 7 ans où je peux pas du tout donner la même éducation parce que Melvin fait des caprices. Melvin, quand il fait un caprice, on le met au coin ou on le punit. Mais Alexis, c'est pas un caprice. On voit que l'état de souffrance n'est pas du tout le même, quoi. Allez, Minou. Tu veux me faire un câlin ? Non. Tu veux qu'on les fasse pas une mère, c'est nul comme toi. Mais moi, je t'aime. Oui, mais moi, je te déteste même. La vie doit continuer pour eux. Alexis n'a été diagnostiqué que depuis quelques mois. Ses parents commencent à peine à apprendre à vivre avec son handicap. Sa maman a décidé de tout faire pour que les choses s'améliorent au sein de la famille et surtout qu'Alexis puisse un jour créer un lien avec son petit frère. Bah, j'espère qu'un jour, ils vont s'adorer, enfin, faire des choses ensemble. Enfin, Melvin ne demande que ça. Après, il n'y a plus qu'à Alexis à faire des efforts. Non, Melvin, tu prends pas. Tu prends pas. Hey, tous les deux, vous faites tous les deux. Chacun son tour. Mais y'a qui veut pas faire ça. J'espère qu'il aura un avenir normal. Il pourra. Enfin, on fait tout pour que, avec ses prises en charge, pour que tout se passe du mieux possible. Il a des frères, il a des parents, une famille qui. On est là tous pour le soutenir. On l'aide du mieux qu'on peut, chacun à sa façon. Donc, j'espère que ça ira. Voilà, c'est bien. Hop. Oh, ça va être un bon job. Du côté de Caroline à Paris, elle aussi maman d'un petit garçon manifestant des troubles proches des autistes Asperger, les choses ne sont pas simples non plus. Gabriel est un petit garçon plutôt sage et obéissant, mais Caroline sait qu'à n'importe quel moment de la journée, une crise d'angoisse peut surgir. La vie est faite d'imprévus, ce jour-là, elle devait aller avec lui, lui acheter un cadeau pour écouter de la musique dans sa chambre, sauf que c'est jour de solde et qu'elle ne trouve pas de place pour se garer. Impossible donc de faire ce qui était prévu, une chose insupportable pour Gabriel. On va attaquer les soldes alors. On va jamais se mettre dans des trucs pareils. Alors on va attaquer les soldes. Oui, mon bonhomme. J'ai vu que le solde parte à tout jamais. Coucou. Non, on va pas se mettre dans ces trucs-là, c'est pas possible. Écoute-moi. T'as un petit cadeau à la maison, je te l'ai dit. D'accord ? Ok. On va rentrer tranquillement. Et le deuxième aussi. Enfant pas content ? Je te promets qu'on le fera. Promis tous les deux. Oui. D'accord ? Ok, ça va aller ? Oui. Ça a été terrible. Je te promets qu'on ira, tous les deux. Mais là, non. Il y a trop de monde. On va pas aller. Gabriel, alors, t'as horreur de ça. Maintenant, trop de monde là. Gabriel, tu as horreur de ça. C'est pas possible. Ok ? C'est de ma faute, j'aurais dû anticiper le truc. En voiture, pour calmer les crises de Gabriel, Caroline a mis au point une méthode imparable. Si tu me chantais lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Oui, vous excitez pas derrière. Oh, ce que ces Parisiens sont agacés. J'ai beaucoup travaillé les comptines avec Gabriel parce que c'était un moyen de rendre la chose joyeuse et facile. Qu'a des roussels la droite maison. Qui nous n'y poutre trop ni chevrons. C'est pour nous prendre elle. Qu'a des roussels. Ah oui, vraiment. Qu'a des roussels les bonnes enfants. Ah oui, vraiment. Qu'a des roussels les bonnes enfants. Vous ramenez ? Mais parce que je t'ai expliqué. D'accord ? La grosse inquiétude des parents de Gabriel, c'est de parvenir à le rendre sociable. Beaucoup de choses l'empêchent d'avoir des rapports normaux avec les autres. Le petit garçon a par exemple beaucoup de mal à identifier les émotions. Je veux jouer au jeu. Ah,
Ah bah, tu veux jouer au jeu des visages. Alors assieds-toi, bonne idée, génial. Pour essayer de remédier à ça, Caroline fait appel à un petit jeu. Il y a plein d'expressions du visage. Et si, à chaque fois que tu l'as, tu me dis comment s'appelle cette expression. Si c'est une grimace, un sourire, une colère. Oh bah alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là? Il est comment ce petit garçon? Il a la bouche très ouverte comme ça. Alors, tu l'as ou tu ne l'as pas? C'est très difficile pour Gabriel de comprendre quel est le sentiment exprimé par un visage. Il ne peut pas l'analyser. Pour lui, les visages se ressemblent tous, quel que soit. C'est comme si on avait tous eu une chirurgie faciale et que ça n'exprime rien. Donc il faut lui apprendre par cœur le fait que les muscles bougent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une expression simple, Gabriel. Ça exprime quoi? Il ouvre la bouche comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il exprime? Il a quoi? Hello. Non, il chante pas. Il chante pas. Compliqué pourtant, c'est un sentiment simple, ça. Non, il fait pas. C'est Non, regarde ses yeux. Oui, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Il a peur, voilà. Alors que n'importe qui pourrait dire, bah oui, il a peur. Là. Gabriel, il a toujours pas compris. Ça fait longtemps qu'on travaille ça. Un enfant lui dit, je suis triste, je suis pas bien. Il peut confondre ça avec il est content. Donc on se dit, ah mais il a pas de compassion. C'est pas, il a pas de compassion, c'est qu'il comprend pas ce qui se passe. Il peut pas analyser. J'ai envie de chercher le truc. C'est surtout à son cours de théâtre que Gabriel apprend à interagir avec les autres. Une chose qui ne fait pas partie de ses habitudes. À chaque fois, au début, il se sent un peu perdu. Tout le monde va se mettre à un endroit de la scène et va s'endormir. Et au moment où il va se réveiller dans un animal. Mais est-ce qu'on fait le cri ? Si tu veux, mais d'abord il faut se réveiller, prendre le temps de se réveiller. Voilà. Tous vont faire le choix d'imiter des animaux à quatre pattes, mais pas Gabriel. Il a décidé d'incarner un oiseau. Sauf qu'une fois la chose lancée, impossible pour Gabriel de s'arrêter. Attends, écoute, mon oiseau, imagine qu'il est dans le nid. Alors il vole pas, il est Non, il s'arrête, pas des ailes. Non, bah pas des ailes. Des fois il se peut, bon, il peut, mais des fois il s'arrête aussi de piailler pour regarder ce qui se passe. Il est au bord de son nid. Il se passe des choses. Est-ce qu'il voit quelque chose en bas? Est-ce qu'il voit quelque chose en haut? Est-ce qu'il a froid? Cui-cui. Mais il fait pas que piailler, ton oiseau. Il y a un nouvel animal sur cette. Mais le plus important pour Gabriel dans ses cours, c'est que pour la première fois, il s'ouvre à des enfants qu'il ne connaît pas, leur parlant spontanément. Chose impensable pour Caroline il y a encore peu de temps. Ça me fait toujours rire et presque pleurer de bonheur parce que il est tellement heureux dans sa vie et après tout, qu'est-ce qu'on cherche tous? Donc c'est un vrai cadeau de Noël de le voir comme ça. Il a un gros, gros bonheur de voir au lieu de ses petits copains. Chose que je vois pas souvent. Il est dans sa façon, dans son coin, mais les interactions sont riches. Après, il va falloir grandir avec ça, mais je ne désespère pas de le tirer complètement de là où il est. J'irai peut-être, c'est pas sûr. En tout cas, il est très heureux, ça c'est majeur. Et moi, je commence à lever le bout du nez parce qu'il fait des choses avec les autres enfants. Et ça, c'est très nouveau. Ça date de cette année. Hein. Donc, ça date de 3 mois et c'est vraiment très beau de le voir comme ça. Il est épanoui, c'est bien. C'est comment? C'était bien le théâtre? C'était bien. C'était cool, ma poule? Cool, ma poule du théâtre. Cool, ma poule du théâtre. Et comment on s'aime tous les deux? Trop fort. On s'aime trop fort. Oui. Comment tu m'aimes, toi? Trop fort. Pourquoi c'est fou? Je décore un peu Noël. Regarde une étoile.
Il y a des étoiles là-bas, il y a toujours des étoiles au-dessus de la tête.